Oasis insiste toujours avec Frédéric Bérard. Fred! Oh, les petits caca dans les yeux, matin! Hein? Non, non. Il est 7h40. Ça s'appelle être fatigué. Ah, oui, il est 7h40, Trudel, fiche-moi à paix. J'ai le droit à mes petits gestes du matin, mes petits gestes matinaux. Bon matin, il y a beaucoup de... Gestes matinaux, je me suis tenu les yeux. Tiens, regarde comme ça. Voilà. Tu te frottais les yeux comme on se frotte les yeux le matin parce qu'on n'a pas assez dormi, trop dormi ou peu importe. C'est pas grave. Ça va faire le frottage, là. Ça va faire, là. On a d'autres choses à fouetter. C'est pas un sujet qui manque, Fred. D'abord, on va se transporter à Ottawa, si tu le veux bien. On a tous des souvenirs. Ça fait quand même juste 2 ans. Quand il y a eu le processus où le gouvernement devait rencontrer ceux qui s'occupaient de déterminer s'il y avait eu illégalité ou si ça avait été déraisonnable d'utiliser la loi sur les mesures de guerre, on se disait, c'est un processus qu'on... moi, en tout cas, j'avais l'impression que ça allait être une formalité et puis qu'on allait... Mais non, hier, on a su, finalement, donc, que le juge avait jugé, justement, que les mesures d'urgence étaient déraisonnables et même illégales. Donc, ce qu'on a décidé de prendre comme agissement, comme action pour tasser les gens, les camions qui avaient pris Ottawa en siège. Surpris de ça? Oui, honnêtement, mais comment je te dirais, très ironiquement, je suis pratiquement content. C'est un drôle de sentiment. Je vais commencer par faire mon propre mea culpa. C'est important, car Marx disait qu'on devait faire notre autocritique dans la vie. Bien sûr. Alors moi, je vais faire mon autocritique. Je trouvais, et je trouve encore que le convoi des camionneurs était, était exagéré, était parfois un peu absurde. Je n'étais pas d'accord avec leur revendication. Je trouvais qu'ils nous faisaient perdre du temps. Je trouvais surtout qu'il y avait plusieurs complotistes là-dedans, puis traiter Trudeau de dictateur, puis des croix gammées. Puis bon, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait quand même. En tout cas, bref, je pense que tout le monde... Je vais parler juste pour moi, là, peut-être que mon appréciation n'est pas bonne, mais on était tellement à fleur de peau, on était tellement écœurés d'entendre parler de ces affaires-là cette manif-là, elle nous a vraiment tapé sur les nerfs. On s'est dit, là, vous êtes ridicules, puis ça suffit. Ouais. Sauf que en faisant ça, je te dis, je le fais mon mea culpa, là, parce que c'est hier que... D'ailleurs, le juge de la Cour fédérale qui a rendu sa décision, c'est le juge Mosley, qui est un excellent juge. C'est un de ceux qui avait été les plus virulents à l'endroit d'Ottawa à la défense d'Omar Kader. Quand j'ai vu son nom, je dis, OK, lui, c'est vraiment un juge qui a de l'allure. Tu sais, des fois, il y en a qui sont, bon, on est moins d'accord avec un qu'avec l'autre, là, mais lui, je le respecte vraiment beaucoup, là, parce que quand que ce soit populaire ou pas, lui, il va au battre quand il est question de droits et libertés. Bon. Et là, en lisant ça hier, j'ai donc réalisé que je m'étais moi-même laissé emporter dans la vague, en quelque sorte, et que, comme constitutionnaliste, que t'aimes une manif ou que tu ne l'aimes pas, ça n'a aucune importance. Mm-hmm. L'idée, c'est est-ce qu'elle est protégée par la liberté d'expression de cette manif? Évidemment que je disais, ben oui, elle est protégée par la manif, par la liberté d'expression, ça va de soi. Mais tout est une question de degré, comprends-tu? Ouais. Et la commission d'enquête là-dessus avait dit, ben Ottawa a bien fait d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était pas exagéré, c'était nécessaire. J'étais d'accord avec ce rapport-là également. Là, en voyant un autre son de cloche de la Cour fédérale qui a refait l'exercice, là, je me suis dit, ouais, OK, peut-être que dans le fond, on a exagéré, puis peut-être que ce n'était pas nécessaire, puis peut-être que le juge m'a la raison, parce qu'on se comprenne bien, la loi sur les mesures d'urgence, c'est la bombe nucléaire là, en matière de liberté publique. Oui, quand tu dis ça, là, où ça aille vraiment mal à la chope, et là, c'est un peu comme si Mosley nous a dit, ben écoutez, là, les amis, là, vous êtes énervés, là. S'il y avait d'autres moyens de calmer cette manif-là. L'autre problème, par contre, à ma décharge, les gens évalueront, là, puis je sais qu'on est à plusieurs à penser que ça avait de l'allure aussi, mais je ne veux pas embarquer personne dans mon bateau. Là. Je suis capable de faire mon meilleur que le pas puis de me blâmer par moi-même sans mettre ça sur la faute des autres. Mais
La police d'Ottawa a tellement fait une mauvaise job, ouais. Si vous vous rappelez, au début, c'était le bordel, alors qu'à Québec, la police de Québec a tenu ça serré, Rimbaud Gauthier est débarqué de cette île, on l'a laissé faire des stepettes dans 6 pieds carrés, un carré de sable, prends ton café puis retourne-toi-en. Il y avait vraiment, bon, si Ottawa avait agi comme Québec a agi, on n'aurait jamais eu besoin d'adopter une loi comme celle-là. Mais c'est un peu ce que Mosley dit, en d'autres termes, pour utiliser la loi, ces mesures d'urgence, il faut que ce soit ultra grave, il faut que ce soit une crise nationale, il faut qu'il y ait quelque chose de... Puis, sais-tu quoi? Il y a raison de le dire. Puis c'est là-dessus que je me suis planté, parce que tu peux pas commencer à utiliser cette loi-là parce que tu as une couple de truckers qui prennent des spas avec des fusils à l'eau. C'est-à-dire... OK, mais c'était plus qu'une couple, puis on en serait où s'il n'y avait pas eu cette façon de faire? On serait-tu encore là? On serait-tu encore à Ottawa? Ça, c'est l'autre affaire. Puis moi, je me mettais dans la peau des résidents d'Ottawa. Ça n'a vraiment pas dû être... on a entendu des histoires, oui, là. Ben oui. Vraiment pas drôle. Le Canada, c'est quand même... Ottawa, c'est quand même la capitale nationale. Le Parlement était pratiquement paralysé. Moi, je le sais parce que, bon, quand je connais Justin, ils ont eu peur, là. Ils ont vraiment eu peur. Les élus à Ottawa ont eu peur. Il y a eu un pont qui a été bloqué à Windsor. Les États-Unis ont commencé à s'en mêler. Il y a les fonds qui ont été bloqués. Oui. GoFundMe a refusé de verser quelque chose comme 9 millions parce qu'on disait que c'est de l'argent des Proud Boys américains. Il y a de l'argent qui vient de la Russie de Poutine là-dedans aussi, ce qui était probablement vrai de toute manière. Mais ça reste que c'était peut-être pas assez fort comme... C'en était une crise, là. On se le cachera pas, là. Tu paralyses une capitale nationale, c'est quand même pas une niaiserie. Mais pour utiliser une loi comme celle-là puis suspendre toutes les libertés publiques d'un coup, ça prend une coche de plus. Puis en rétrospection, okay. Moi, je suis d'accord avec ça. On comprend la nuance, mais on s'entend que juste dire « OK, tout le monde, c'est fini, on s'en retourne à la maison », ça aurait pas suffi. Non, non plus. C'est ça. Mais reste que, dans le fond, ce que nous dit Mosley, il dit pas que c'était rien ce qui s'est passé à Ottawa. Il est conscient, là, puis oublie pas, hein, il y a eu une commission d'enquête qui, elle, a blanchi, entre guillemets, Trudeau en disant, ben, regarde, c'était nécessaire, c'était correct et tout. Puis tu sais quoi? Moi, entre les deux, entre quelqu'un qui me dit c'était nécessaire, puis quelqu'un qui me dit la loi, c'est mesure d'urgence, on va utiliser ça en dernier recours, une fois bien, bien, bien mal pris, ben, j'aime mieux la deuxième option, même si... Hein, on s'est tous laissé prendre un peu, je pense, au piège du hey, là, ça va faire là, les niaiseries. Là. Non, mais moi, je veux pas être comme ça dans la vie. Là. Même si je suis en désaccord contre quelqu'un à 100 000 à l'heure, ben, tu as quand même le droit de faire ce que tu fais. Là. T'sais, je dis, c'est pas moi. Là, le problème ici, c'est qu'il y avait en plus, là, tu vois, c'est ça là, il y avait aussi des crimes de droit commun. Là. Comment est-ce qu'il s'appelle là, ton chum, le Farfadet, là, en tout cas, bref. C'est quand ils ont envahi des stationnements. Pas de chum, ton chum. Quand ils ont envahi des stationnements, puis ils se sont fait... Steve! Ouais, ils se sont fait Artis. Accuser, condamner, même si je me trompe pas. Tu sais, c'était pas juste des manifs purement, comment je dirais, pacifistes à 100%. Il y avait quand même des infractions sérieuses. Mais ça parlait de renverser le gouvernement, notamment. Ça, ça donne des munitions à Pierre Poilievre, là, évidemment, ce qui est sorti hier. Là. Lui, il va se... Oui, puis, tu sais quoi? Ben tant mieux pour lui. Tu es rendu là, moi, je veux dire, c'est parce que dans la vie, ça prend des principes, puis ça, c'en est un. Les droits fondamentaux, tu niaises pas avec ça. C'est toujours ce que je dis. Moi, j'avais... Mais ils sont pas absolus, ceci dit, hein, j'ai toujours dit la même affaire. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté qui est absolue. Il y a toujours une limite. Moi, je pensais que la limite avait été atteinte, mais une fois que la poussière est retombée, tu y repenses un peu, tu dis « ouais ». Et « ouais », tu sais. Puis c'est à ça que ça sert aussi des tribunaux, hein. C'est donner une autre cloche à l'abri de l'humeur populaire après un certain temps. Puis souvent, tu sais, vous essayerez ça, en tout cas, vous le faites sûrement déjà de toute façon, mais quand on a le nez collé sur la vitre de certains événements, on est à chaud, émotif et tout. Ouais. Puis quand on y repense quelques années plus tard, on se dit, ouais, ben finalement, c'était peut-être pas si pire que ça. J'ai l'impression que c'est un cas comme celui-là qui est en train de s'opérer. Mais en même temps, au moment où ça se passe, comme Serge disait, on sentait un sentiment d'urgence. Il fallait qu'il se passe de quoi parce qu'il n'y a rien qui arrivait. Puis là, c'est facile avec le décalage, avec le temps, les mois ont passé. Puis là, tu dis, on aurait peut-être plus pensé à notre affaire. Là. On n'en pouvait plus penser. Là. Mais comprends-moi bien, André. Tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai honte d'avoir appuyé ça parce que je comprends pourquoi on l'a fait. Il y avait des motifs, il y avait des raisons, il y avait des... C'était pas un caprice d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Mais Mosley nous rappelle, à juste titre, je crois,
que si vous voulez invoquer ça, là, levez-vous de bonheur, parce que ça faut que ça serve à autre chose que d'empêcher une manif dans des spas. Là. Surpris un matin, mais je comprends. Mais je suis surpris pareil. Et souvenez-vous, messieurs, on avait 15 camions qui faisaient le tour de la station pendant 2 semaines ici. Là. Non, mais tu sais, avant de banaliser ça, ouais. On disait que tout était normal. On avait hâte que ça finisse. Bien, on appelait la police aux 2 jours pour venir s'assurer. T'es rendu que ça passait dans le parking en arrière, à côté de nos chars. Puis c'était dans la vitrine ici. Ceux qui connaissent où est la station, vous savez, la fenêtre, elle donne sur la rue du pont, là, collée. Là. T'sais, quelqu'un peut garrocher une brique demain matin, puis je donne pas d'idée. Là. Non, c'est ça. Mais... banalisons pas ça non plus, parce que là, ça se tape des mains un matin. Là. C'est victoire, là, ceux qui ont... Tu sais, parce que ça leur donne raison à quelque part. Là. Ben, tu sais quoi? Malheureusement, moi, quand je commente la politique... C'est bon. Je la commente... Non, mais juste préciser là-dessus, je la commente pas avec un agenda précis. Je veux pas faire de politique, moi, dans la vie. Je veux pas me présenter. Je veux pas... Ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre des principes de manière... honnête. Ça, je trouve que c'est important. C'est pour ça que je fais cette job-là. Mm. Bon. Il y en a qui tergiversent un peu, puis il y en a qui se faufilent, puis il y en a qui nous disent ce qu'on veut entendre. Tant mieux pour eux autres. Là. Chacun fait ses affaires. Moi, je suis pas capable de faire ça. Là, quand j'ai vu Mosley hier, j'ai fait « Ouais, OK, je me suis peut-être pété la gueule. » Je comprends pourquoi on l'a fait, mm-hmm. puis je critique pas ceux qui, comme moi, ont appuyé cette loi-là. Mais je réalise que je me suis trompé, puis c'est Mosley qui avait raison. Puis si Poilievre et compagnie se tapent dans les mains en disant, ben voyez, on l'avait dit, ben, si tu veux, je te dis, j'ai beau pas aimer Poilievre, c'est lui qui avait raison dans ce cas-là, à mon avis, puis c'est tout. Tant mieux pour lui. En terminant là-dessus, ouais. C'est bon, là. On va terminer là-dessus. Non, vas-y donc, ouais, garde-toi. Ben, je suis en train de perdre mon idée, là, puis je l'avais, là, mais... Et tu veux-tu qu'on parle du gars en combine qui venait manifester? Non, lui, je m'ennuie pas de lui. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a eu des beaux moments, quand même. Oui, c'est des tendres moments. Mais est-ce que... Bon, voilà, je vais trouver la façon de te le dire. Ceux qui crient haut et fort que c'est une nation fasciste, le Canada, et que c'est épouvantable comment c'est mené, tatata, là, ça vient de prouver que on est en démocratie, puis on peut manifester si on le veut, puis peu importe le sujet. Peu importe. C'est là que je te dis que je suis pas fier de moi. Parce que c'est les gens qui criaient à la dictature et au fascisme parce qu'ils ne pouvaient pas aller au lieu du lutte le mardi soir. Bon. T'sais, quand tu as voyagé un peu à travers le monde puis tu en as vu des États fascistes, puis c'est mon cas, tu n'as pas vraiment de patience pour ces affaires de crise de bébé gâté-là. Puis qu'on se comprenne bien, j'ai pas plus de respect aujourd'hui pour ce qui s'est passé. Là. Je continue de trouver que c'est archi ridicule d'aller manifester contre des vaccins, d'aller manifester contre un premier ministre canadien puis le traiter de Hitler. C'est d'une absurdité totale et complète. Je n'ai pas plus de respect pour ces manifs-là. Ce que je te dis, par contre, c'est qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Il y a le contenu de la manif et le véhicule de la manif, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Le contenu, ce n'est pas de mes affaires. Ça ne me regarde pas. Sauf, évidemment, si on tombe dans l'appel à la violence, là, ça, c'est autre chose. Ouais. Bien, le véhicule, bien, tant et aussi longtemps que justement, tout n'explose pas, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de méfaits et qu'il n'y a pas de crime. Bien, c'est à nous autres d'organiser ça puis de permettre la manif. Puis ça dure 3 semaines. Bien, je sais que c'est trop long, je sais que c'est ridicule, mais c'est parce qu'on ne peut pas invoquer une loi, ces mesures d'urgence, à chaque fois qu'on n'aime pas le contenu d'une manif. On ne peut pas faire ça. Puis qu'on se comprenne bien, je ne pense pas que ces gens-là avaient raison à l'époque, puis je ne le pense toujours pas aujourd'hui. Ça reste que c'était ridicule. Mais c'est parce que tu as le droit d'être ridicule en démocratie. Puis moi, ce que je trouve ridicule, bien, X va trouver que ça a bien de l'allure. Puis il y en a, moi, je vais faire une manif sur les Ouïghours, puis il y en a qui vont me regarder, puis ils disent, j'aime pas ça, le yogourt, moi. Puis ils vont me trouver ridicule à mon tour. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu, celle-là. Non, je viens de la sortir. Okay. Non, mais je cherchais quelque chose de drôle, au moins ça a marché. Oui. Mais l'idée, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est évidemment qu'on sera pas d'accord avec tout ce qui se dit sur la place publique, ça s'appelle la démocratie. Et là, d'après moi, les camionneurs ont étiré ça au maximum de ce qui était possible. Mais c'est parce qu'on leur a permis de le faire. Bien, ils ont le droit. Oui, tout à fait. Et si je veux que je te dise... Mais ça si on fait bien les choses en partant, si on ne les laisse pas aller s'installer dans Ottawa... Ça, c'est ça l'affaire. Puis c'est un peu ça que Mosley dit, en quelque sorte. Je n'ai pas le détail, mais
si Ottawa, la ville d'Ottawa, avait bien géré ça, ben on n'en aurait pas entendu parler de cette manière-là. Moi, ce qui reste troublant, par exemple, là où je ne suis pas d'accord avec Mosley, c'est tout le truc des GoFundMe qui refusent de virer les fonds, l'ingérence russe et tout. Ça, je trouve ça grave, là, parce qu'on sait qu'actuellement, Poutine essaie de déstabiliser les démocraties occidentales. Il finance le ralliement national, le Rassemblement national de Le Pen et compagnie. On sait ce qu'il fait avec Trump. Puis on sait qu'il a essayé de faire ça au Canada. Ça, moi, c'est là-dessus que j'invoquais cette loi-là. Mais je comprends que si on n'a pas de preuves évidentes, ben c'est parce qu'on ne peut pas non plus prendre une décision aussi importante que celle-là. Fait qu'en d'autres termes, c'est ça. Beaucoup de réactions, puis on va terminer là-dessus parce que tu vas avoir une question à poser pour faire gagner des billets pour le 8 février. Chantal qui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ton propos ce matin. Bravo, belle émission. Il y a Alain qui dit que tu patines, puis il y a Patrick, il y a Pat qui comprend ta démarche. C'est un peu plus long que ça, là, mais qui a l'air de comprendre aussi. Est-ce que c'est Alain Charles? Oui, c'est ton chum Alain. Ah, Alain, il aime ça dire que je patine puis que j'ai pas de... Ouais. Il trouve que tu fais ton Jonathan Drouin ce matin. Mais il va aller s'offrir un bon steak en pensant à toi. OK. Pourquoi? Il va aller s'offrir un bon steak. C'est ça que t'as écrit? Moi, quelque chose du genre. OK. Mais pourrais-tu me rendre un service? Quoi? J'ai une demande formelle. Mais là, tu t'en viens, là. Tu feras tes messages. Non, mais je vais te dire tout de suite. Arrête donc de me laisser ces commentaires à ce gars-là. Ça m'intéresse. Ben non, mais moi, je lis... Ils allaient s'offrir un beau steak, là. Ça, là, je vais vraiment faire attention, mais ouais. C'est juste... Je sais. C'est la cruauté animale, c'est juste pour m'écœurer. Regarde, Alain, je vais vous voyer, là. Si vous me voyez à mon laurier, faites pas comme d'habitude, payez-moi pas un shooter. Payez-moi pas, regardez-moi pas, je suis pas là, OK? J'arriverai pas, c'est pas grave. Allez faire ce que vous voulez, puis comme on dit en anglais, get a life. Parce qu'il vient deux fois en plus dans les prochaines semaines, dont demain... en studio avec nous demain et vendredi pour revenir... Sérieusement, si vous voulez vraiment me mettre en crise, là, dites-moi ce qu'Alain Charles vient de dire. Là, je vais aller m'aller tuer un animal. Ouais, il a pesé sur le piton. Il savait où peser. Je vais me retenir. Là, 8 février, en spectacle, oui. Espace théâtre, une conférence à ne pas manquer. Ça prend une question. Arrête de venir ce gars-là, là, je suis sérieux. Là, j'ai arrêté, ça fait 10 minutes, j'ai arrêté. Là, arrête, là. Cave. C'est toi, là. Donc, c'est ce que j'allais dire. Là, une question, ça prend une question. Pour faire gagner les billets. Ouais. OK, on va finir ça sur une note positive. Yes. Hein? Hein? Bon. OK. Nommé. On travaille fort. Non, let's go. La cruauté animale, ça me vire à l'envers. Fred, on le sait. C'est correct. C'est fait. Oui, bon, ben arrête de faire de contribuer. Je contribue pas. Je lis les auditeurs. Arrête de me donner des commentaires d'épais. Hey, moi, je te coupe si t'arrêtes pas, là. Tu peux même couper si tu veux, j'ai la même paye. Alors, nommez-moi. T'es de mauvaise foi, ça n'a pas de bon sens. Au moins qui a commencé, hein? Ouais, c'est ça. Nommez-moi la très classique et très célèbre plage du Brésil. Et le deuxième indice, vu que je vous aime beaucoup, puis ouais. Je me suis fâché un peu. C'est pas de ma faute. C'était tellement bien parti. C'était beau tout le long de la chronique. Au nom des vaches. Oui. Pauvre petite vache. Alors, la très célèbre plage du Brésil, pour un deuxième indice, parce que c'est facile, là où ont joué les Rolling Stones il y a quelques années. Oui. Et c'était Jump Pack. Et j'étais à cette plage juste en face de l'hôtel. C'est un bijou. Pour ne pas dire Jumping Jack Flash. Tu pourrais, ouais. 825-255-9909. Texto 825-255-9909. Écrivez votre nom, s'il vous plaît. À demain, Fred. Salut. Tu sais qu'on t'aime, là. Oublie pas. Ouais, c'est ça. Allez manger un